Bonjour à tous, on est ici à Saint-Roch-des-Aulnay pour la fête du pain. Alors, bonne visite! Ah, c'est très beau! Vous êtes venu Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Il faudrait m'engraisser cette poule. Moi, j'aime mieux la poule. Ah oui, j'aime mieux la poule. Ah, ouais. Ah, salut. Moi aussi. Il faudra se battre pour la manger. Non, on peut se la partager. Alors, on est sur le site de la fête du pain. On va venir faire un Des produits de l'érable. Oui. Bonjour, bonjour. Regarde ça, c'est joli. Où c'est un petit ça? Est-ce que vous aimeriez goûter un produit d'érable? Bon, je le connais. On en prend beaucoup. Vous ne pouvez pas connaître tous les produits d'érable. Attendez, je vais arrêter. C'est vrai. Vous avez un arc-en-ciel, il aime ça beaucoup. Ben oui. Il aime ça beaucoup, l'arc-en-ciel. Tiens, des gerbes de blé, regarde. On a une belle boulangère. Salut boulanger. Aliment du patrimoine. La gelée au pain binot. Ah, faut pas rater ça avec le budget. Moi j'en veux, la gelée au pain binot. Les pommes. Bonjour, aimeriez-vous déguster? Ça rentre mal dans la caméra, mais... Ça va bien rentrer, vous n'êtes pas cher. C'est-tu cher? C'est quoi ça? Ah non, je suis trop. Caramel de chèvre. Tiens. Ça vous intéresse? Oui, c'est vrai. Regardez la couleur. Oui, tiens. Du caramel de chèvre. Oh. Merci, chef. Oh, c'est bon ça. Non, la chèvre, c'est juste la tombe du maréchal. Il y a de la même pièce. Boulot que c'est bon. Tu as plus de macère que le sucre. Oui, mais parce que le sirop d'érable, il y a plus de fructose à la fin, là, ce que vous appelez le sirop de sève. Puis le sirop de boulot est totalement constitué de fructose, là, le sucre qui est dedans. C'est pour ça. Ici, on a fait avec plusieurs moléculaires. Le sirop est mélangé. Alors, on est dans un beau décor enchanteur. C'est super.
Il y a tout ce qu'il faut pour se sucrer le bec. Exact. Hein? Salut, chef. Bonjour. Alors, je vous présente le patron. Alors, ici, c'est... La Camerise. Ah, la voilà, la fameuse Camerise qu'ils ont parlé à une émission, je pense, c'est la Semaine verte. Exact. Ça vient du lac Saint-Jean, en plus. Non, elle vient de Saint-Trita. Bon, c'est cultivé au Bas-Saint-Laurent. Exact. Ah, on peut y goûter? Oui. Alors, on va goûter à la Camerise, là. On en parle tant de la Camerise. C'est le moment du goûter. C'est le moment c'est du goûter. C'est sûr que là, elle est pas, c'est pas la Camerise fraîche, parce que la période est de la mi-juin à mi-juillet. Oui. C'est la Camerise transformée en tartinade. Merci. Alors, voici la Camerise transformée en tartinade. Qui va bien comme une confiture sur une rôtie, mais aussi très bien sur un craquelin avec un fromage ou un pâté. On dirait de la confiture de mûre, hein, c'est bon. C'est parce que c'est la petite acidulée. Ah, ça et c'est. On a aussi la sauce aigre douce. La sauce. Alors là, c'est la sauce aigre douce. Ça va bien avec les pépites de poulet, les gros, mais très bien avec le filet de porc. Une fois cuit, là. Ah, c'est très bon, monsieur. Alors voilà, on a goûté à la Camerise. Bonjour. Produit de l'érable. Ah oui, oui, oui. Oh, ça fume là-bas, il y a quelque chose qui cuit. L'ancien bâtiment de jardin qui était conçu pour un tournage de film. Ah oui? Oui. À l'origine, c'était un 4 versants qui était trop petit pour le tournage. Fait qu'ils ont construit celui-là par-dessus. Ça, c'est la maison de qui, ça, s'il vous plaît? Ça, c'est le manoir seigneurial qui appartenait, qui a été conçu par Pascal Lamam, pour Pascal Lamadure, le seigneur des Auberges. 1756, ça a été concédé aux Juchereau, les Robert Schwartz. Ouais. Si vous voulez faire la visite guidée, c'est possible, mais il faut vous procurer un laissez-passer à l'accueil. Bon, ben, je vous remercie. Tiens, il y a un four de boulanger. Oui, oui. Non, il faut bien mélanger. Vous mettez les deux débuts avec votre farine, votre fond, votre sel, votre levure. Dès le début. Mettez ça dès le début, mélanger, ça va être beaucoup plus facile à mélanger à ce moment-là. Et ce que vous faites, quand, au lieu de pétrir longtemps, vous faites au batteur? Et bien dans ce cas-là, vous mettez tout dedans, vous mélangez, dès que c'est homogène, vous arrêtez. Vous attendez 5-10 minutes, vous revenez quelque chose, vous allez commencer à
Mais pendant que je donnais ma conférence, j'ai pas eu de relève. C'est pour ça que j'étais obligé de repartir le feu. Il devait rester chaud, chaud, chaud. Sinon. Ils sont en train de dégeler là-bas. Ben oui, parce que c'est intéressant, ça. Hein? Mais tu vois, Rosier. Ben oui, il faut estimer qu'on escapèse. Vous, vous êtes boulanger, lui aussi? Oui. Je l'ai fait ça longtemps. Oui, ok. Moi, je suis arrêté. À 6 gogos qui sont avec, je me dis avec les oiseaux, c'est encore pire. Puis de savoir aussi, il est où dans ton site? Parce qu'on s'imagine un site.
mets-toi là.